Salut les bienvenus et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une belle journée qui commence, ça me fait super plaisir. Et d'autant plus que aujourd'hui c'est rendez-vous chez le barbier. Regardez les bébés, c'est juste pas possible. La barbe a beaucoup trop poussé. Les pattes, il n'y a plus de dégradé apparent, rien que dalle. Donc du coup, l'opération du jour va être de passer dans la salle de bain, de me couper les cheveux ici. Vous savez que ici je rase à blanc. Je vais couper un petit peu la hauteur au-dessus et je vais partir chez le barbier, comme ça au moins il aura un joli point de départ pour le dégradé, puisque là ça va être rasé à blanc, donc là il pourra faire son dégradé à partir d'ici. Et la longueur, non c'est juste plus possible avec le bulle, ça va pas être possible, non. Go la salle de bain et je vous montre le résultat. Bah, ça va quand même beaucoup mieux avec le bulle, ouais, beaucoup mieux quand c'est coupé de près, quand c'est rasé à blanc, c'est bien hein. Un petit peu moins d'épaisseur au-dessus du caillou, c'est cool. Donc voilà, bon on voit bien la différence hein, par contre avec la barbe. La barbe qui n'est pas taillée, mais bon, c'est pas grave. On va tout de suite chez le barbier. Nous sommes donc à Saint-Priest avec le bulle pour aller se faire la barbe chez la barbe de papa. Ça fait un petit moment que j'y vais. Jamais été déçu. Donc franchement, c'est super cool. Je recommande. C'est une chaîne, donc n'hésitez pas. La barbe de papa, c'est une valeur sûre quand vous voulez faire la barbe. Franchement, c'est carré. Pour 22-23 euros, vous avez quelque chose de très correct. Regardez les globules, on va là-bas. La barbe de papa, joli magasin. Très sympathique, très très sympa. Et on va se faire la barbe par Baptiste. Baptiste qui est occupé, je crois. C'est lui qui est tout en vert, il semble. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. Yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot. Hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate. This is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. Bon les gobelins, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Regardez, la barbe elle est magnifiquement coupée. Joli dégradé ici, là. Donc c'est sympa, c'est très très cool, c'est bien. Baptiste, c'est super bien occupé de moi, franchement, merci à toi. Ah les globules, sacrée journée, je viens tout juste de faire le plein d'essence pour la voiture, je sais, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps, mais je fais juste un complément pour être sûr d'être tranquille sur l'autoroute. Et il va falloir laver la bagnole parce qu'elle est dégueulasse, ouais, dégueulasse. Alors certes on part à la montagne, c'est encore plus dégueulasse quand on va rentrer, mais j'aime bien quand je pars en vacances avec une voiture quand même assez propre, quitte à la dégueulasse en vacances, c'est pas bien grave. Bon allez, trêve de blabla, on se retrouve là-bas. Running through, leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. They love it, yeah. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Been popping, sports center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. How could I not? Bon les bébés, j'ai fait une petite halte au garage, du coup j'en ai profité pour essuyer la bagnole avec de la microfibre et j'en ai profité aussi pour nettoyer mes plastiques. Et j'avais un produit dans mon garage que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Vous savez, je vous parle souvent de la gamme Rituals, le gel, le douche, etc., la crème de corps, etc. Et regardez ce qu'on avait et qu'on n'a jamais utilisé. Une petite bouteille de parfum Rituals, regardez comme elle est trop mignonne, toute petite comme moi. J'ai fait deux pchites dans la bagnole, ça sent trop bon. Les bubules, une partie des valises est prête. Donc ici, j'ai ma petite valise, j'ai l'ordinateur et j'ai le drone. J'espère que je vais vous trouver des petits spots bien sympathiques à la montagne pour pouvoir filmer avec le drone. J'emmène toujours mon PC avec moi pour pouvoir continuer le montage des vidéos.
Et il y en a un, il est un peu au bout de sa vie parce que je pense qu'il commence à comprendre qu'il va falloir qu'on le mette dans le sac de transport. Attention, pas le sac bulle, dans le sac de transport, c'est Cookie. Regardez comment il fait la gueule. Regardez, monsieur, comment il fait la gueule. Regardez, regardez. Voilà. Tu es dans le sac, Cookie? On va faire de la route, hein? Oui? Oui. Un bisou? Un bisou, ouais. Oh, chameau. Oh, adieu. Allez, j'allais prendre une douche parce que j'en peux plus, je sue là. D'avoir fait tout ça, j'ai une transpiration sur moi, c'est un truc de malade. J'en profitais pour me changer aussi. Je voulais partir avec ce pull, je crois que je vais pas partir avec ce pull. This is top 10. From the bottom, gotta sniff out the top wins. I sit back, reflect, and do it again. Hardest milli is the first, now we got 10. Talking 10, 10, 10, 10 times 10. C'est Yannick Le Bull. On est bien arrivé au Corbier. Donc, ça c'est cool, c'est fun. La voiture elle est garée. Regardez, regardez la vue magnifique qu'on a. C'est trop trop sympa. Maintenant, direction la location. On va décharger les valises, on va foutre notre petit bordel quand même, on va prendre place, on va prendre possession de nos pénates. On va être bien, on va être bien, franchement on va être bien. Voilà, on est parti avec tout ça. C'est beau, hein? C'est qu'il a fait, ça fait quand même pas mal de bagages. Voilà, petite cloutière pour Cookie quand même, pour qu'il puisse chier et pas dans l'appart. On va être bien. Il n'y a pas de lumière juste devant l'ascenseur là. Putain, on prend tout. C'est tout bon, j'espère que j'ai rien oublié. Ah, vous voyez rien, les globules. Et on est tout au bout du couloir là-bas. Putain. Non mais tout ça, c'est mine de rien. Plusieurs voyages avec les bagages. Tendu l'histoire. Allez, on va rentrer. Qu'est-ce que c'est? T'es dans la chambre? T'es dans la chambre? Voici la première chambre, les globules. Première chambre de l'hôtel où on est. Et regardez la petite vue qu'on a, bien sympathique, avec le bureau juste ici. Cookie qui prend possession aussi des lieux. C'est bien, c'est cool. Là, on a la vue sur la montagne là-bas, avec le parking juste en dessous. On continue, on continue. Voici la toute petite cuisine. On dirait pas comme ça, mais elle est vraiment petite. Donc, ça va quand même, avec des plaques de cuisson, un évier, un lave-vaisselle. Là, on a un beau petit frigo. Voilà. Et puis derrière, dans les tiroirs, vous avez tout ce qui est vaisselle ici. Donc ça, c'est top. Et quand nous rentrons ici, c'est la deuxième chambre. Deuxième chambre avec un lit double, avec chaise, tabouret, petite table de nuit. On a une petite armoire aussi ici. C'est sympathique. Voilà. Avec des petits rangements. Ça, c'est cool. C'est très bien. Une petite penderie là. Très bien. Et de l'autre côté, on a aussi la vue. Alors oui, sur les pistes, sur les télésièges. Là-bas. Mais c'est très sympa. Ah, il y a la petite piscine en bas. Regardez, la petite piscine chauffée. Donc, à mon avis, il y a moyen qu'on aille y faire un tour. Regardez les globules. Si on ouvre là, hop. Regardez, on se retrouve sur la petite terrasse. Bien sympathique. Très cool. Et vous avez la vue sur les petites pistes là-bas. Et en bas, vous avez la petite piscine chauffée. C'est très sympa, c'est très cool. Voilà, on va être très bien ici, on va être super bien, c'est ouf. Et puis alors, la montagne, ça vous gagne. Et les globules, c'est fait, on a pris possession des pénates, on a rangé les chambres, on a rangé toutes les affaires. Maintenant, on va aller boire un coup et on va aller manger. Parce qu'il se fait faim quand même. Ah, on fait tout nos parts. Regardez les globules, à la base, nous, on est dans cet immeuble-là. Ça, c'est les autres immeubles. Vous avez la piscine couverte qui est uniquement pour cet immeuble-là. Et regardez la vue qu'il y a. C'est un truc de fou. Par contre, ça grimpe. C'est un truc de malade. Regardez ce que j'ai. C'est mon nouveau sac. Il est pas magnifique, ça? Magnifique. Je déconne. C'est Lucie qui m'a dit, tu peux aller chercher mon sac, s'il te plaît? Oui. Donc Bernard, porteur de sac. C'est cool, hein? Ricolez pas parce que je suis sûr qu'il y a plein de mecs, c'est pareil. On se balade tranquillement les globules. Regardez, là on a la station de ski, on a les télésièges, les remontées mécaniques. C'est juste énorme. Regardez la vue, c'est trop trop top. C'est super joli. D'habitude on fait une promenade digestive. Là c'est une promenade pour s'ouvrir l'appétit. Voilà. Donc on va prendre l'apéro après. Et puis on a une jolie vue quand même. Et il y a quelques années en arrière, on a loué ici. On a été juste derrière là, sur ces balcons là.
et on avait la vue directe sur les montagnes là-bas. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin'. Les globules, autant vous dire que je suis plein, j'en peux plus, j'ai bouffé comme un cochon au la raclette au début. Franchement, on avait l'impression que le fromage il suffirait pas. Franchement, quand j'ai vu le fromage, le quart de fromage arriver, je me suis dit, wesh, on est trois quand même, moi j'ai faim. Et généralement, quand j'ai faim, je bouffe. Je me suis dit, ouais, on est quand même mal, mais vas-y, tranquille, on va tenter le coup, on va manger quand même. Et au final, non, c'était super bon, je me suis bien rempli la panse. J'ai fait péter les trois boules de glace quand même. Ça aide à digérer, hein. Deux boules de chocolat, une boule de vanille. Franchement, j'étais bien. J'étais super bien. Par contre, faut rentrer. Là, il y a une petite trotte à pied. Pas grand chose non plus. Mais voilà. Mais ça va m'aider. Là, il y a une grande pente là. Qui c'est qui me pousse pour que je roule jusqu'en bas, là, s'il vous plaît? À bon coup de pied au cul, là, comme ça, Bernard, il s'envole. Là. Et quand je parle de pente, les globules, ça déconne pas, hein, la pente. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. Voilà la pente qu'on a. Oh putain la vache. Il y a de la place de partout. Il n'y a que par terre qu'on est bien. Par terre en plus il y a de la moquette. C'est top, c'est cool. C'est trop bien. Merci à tous les globules d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à cliquer ici. C'est sur ce bouton là qu'il faut cliquer pour vous abonner et être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer ici et là pour redécouvrir toutes mes dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.